Voici le nouveau Swimbait Bladed. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un hameçon texan mais avec un ressort. En fait, ça va vous permettre de fixer un leurre souple hyper facilement. Et comme vous pouvez le constater dessous, il y a une petite palette montée sur une tige métallique. Ludo, tu nous expliques rapidement comment tu l'utilises? Alors en fait, le truc génial que j'ai vu sur ce leurre là, c'est que dès que le leurre touche l'eau, en fait, aussitôt ça pêche en fait. Il y a deux roulements à billes dessus, ouais, donc ça pêche vraiment très rapidement. À l'impact de l'eau, on est capable de prendre des poissons. Et après, vraiment, l'avantage qui me plaît vraiment pour moi, c'est quand on stabilise le leurre, même avec un petit vent, un petit courant, la palette elle tourne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, un point qui est assez fort, bon, c'est la forme du plomb. Donc c'est vrai que même sur des récupérations très vite, le leurre est très stable et ça tourne vraiment bien. Donc c'est super efficace. Et de plus, on a quand même une pointe très piquante. Et ça permet de louper un peu moins de poissons quand même. Effectivement, c'est les pointes Needle Sharp, donc c'est les pointes vraiment haut de gamme de chez VMC, ça pique vraiment fort. Mais c'est aussi bien destiné aux brochets. Ouais, on prend tout type de poissons. Avec par exemple la taille 11-0 qui est quand même une taille assez conséquente pour armer des leurres jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et on part de la taille 5-0 qui est une taille beaucoup plus petite où on peut armer des leurres de 11 cm par exemple. Donc vraiment on a un panel de 5 tailles différentes pour armer vraiment tous les leurres.